Tourne tu peux faire l'action? Ouais, vas-y. Action! Oui, mais on parle comment on commence? Et ben, en fait, on a créé un partenariat avec les acteurs de l'emploi de notre secteur, Morestel jusqu'à Montalieu-Vertieux, plus précisément Carrefour Market Montalieu, avec Gentil. Toi, tu mettras un. Et Intermarché à Passin. Donc, le principe, c'est que Marie et moi, on sera donc représentantes de la mission locale dans le hall, enfin dans le SAS de ces magasins-là. Donc, l'opération va commencer mardi 19 à Carrefour Market Montalieu. Et ensuite, la semaine d'après, toujours le mardi après-midi, de 14h à 16h30, à Intermarché à Passin. Vous allez harceler les clients du Carrefour Market. Harceler, non. Informer. 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 Faire connaître de manière différente aux jeunes et aux parents de ces jeunes-là. Notre offre de service, parler de la mission locale, parler de l'emploi. Le but vraiment c'est de pouvoir redynamiser l'activité sur Morestel. Et puis de toucher les jeunes qui sont isolés et qui n'arrivent pas à aller soit en permanence, soit sur le site de Morestel. Leur faire comprendre qu'il y a une nouvelle mission qui est que la mission locale peut se déplacer vers le jeune jusque dans sa commune, quoi. C'est vraiment dans le but de changer en fait notre manière d'aborder notre public. C'est là, c'est nous qui allons aller au devant de ce public-là. Pour ensuite, après, qu'on puisse travailler sur du long terme. Mais dans un premier temps, c'est nous qui faisons la démarche d'aller vers eux. On est vraiment dans la proximité. Oui. C'est-à-dire que quand on va aller sur Montalieu, on va promouvoir les offres de Montalieu. Et on va promouvoir également la permanence de Pierre. Voilà, qui tient une permanence à Montalieu. L'objectif, c'est de venir nous rencontrer, nombreux, afin qu'on puisse répondre à vos questions. Voilà, pour prendre des informations, pour consulter les offres, pour savoir ce qui se passe en ce moment à la mission locale. Voilà. Marie. Elle a tout dit. Merci à vous deux.